Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Voilà, je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont abonnés à la chaîne. On est 66 sur la chaîne. Merci à vous. Merci beaucoup à tous d'être abonnés. Voilà, je vous ai montré la troisième partie du remontage de la montée bécane. Voilà, j'ai monté les câbles et les gaines d'origine avec le guidon, les poignées, les freins, starter, les compresseurs. Je vais remonter pour le moment tout ça. Et j'ai remis aussi le faisceau électrique. Il ne me reste plus qu'à brancher le phare avant et le klaxon. Voilà, j'ai dû changer le câble de frein arrière que je voulais remonter. Il était trop abîmé, ça s'est filoché de partout. J'ai changé juste le câble pour le moment. On verra si elle démarre. Si elle remarche, on pourra changer pas mal d'éléments dessus. C'est juste pour pouvoir faire le démarrage. Voilà pour la partie cycle. Pour le moment, la roue avant, j'ai pas eu le temps de changer les roulements. Il faudra que je les commande. J'ai commencé à faire le traitement du réservoir et à nettoyer le pot. Voilà, et je vous montre l'embrayage. Il a fallu que je le démonte entièrement. J'ai nettoyé un peu. Embrayage. Les patins étaient complètement foutus, j'ai changé, j'ai trouvé des patins après bon état. Bon, par contre les guides, j'ai pas pu trouver tout ça. C'est comme c'est un variateur qui tourne à l'envers, je n'ai pas le bon modèle, donc tant pis, on verra, ça marchera comme ça. J'ai dû refaire tout changer les mâchoires. Petite révision, un bon nettoyage. Voilà. Tout nettoyer. On va remonter sur le bloc. Le moteur qui est toujours dans sa caisse. Avec sa couronne neuve, le carbu. En attendant que je puisse remonter la roue avant. J'attends de remonter la roue avant pour pouvoir remonter le moteur dessus. Voilà, je vais vous montrer. Après le pot et le réservoir. Bon, voilà l'état du pot. Je l'ai nettoyé avec la perceuse et la brosse métallique dessus. Voilà un peu l'état du pot. Il est encore un peu rouillé. Il faudra que je décalamine. Là, si vous allez bien voir, mais c'est bien calaminé dedans. Il faudra que je les foute au feu. Voilà, après le réservoir. J'ai commencé à le nettoyer, je ne sais pas si on va bien voir, mais on verra pas très bien. J'ai eu un petit problème avec la session de nettoyage du réservoir. J'ai eu un problème avec le robinet. Le robinet a eu une fuite et j'ai perdu tout le produit que j'avais mis de réservoir pour dérouiller. C'est un problème avec le robinet essence qui fuyait. Donc je verrai s'il doit refaire un autre traitement pour la suite. Voilà pour l'avancée. En attendant d'autres nouvelles pour la suite du remontage. Je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir.